Good morgen. Allez, l'idée de Nessus sera aujourd'hui le Nishma de Richard de Ben Fortune Mazal, Koulet Israël Ben Fortune Mazal, Amram Yona Ben Chana Ve Shalom et Shimon Ben Eléo Ve Kuka. Si vous souhaitez aussi diriger une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Beitza, Perek He, Mishnah Dalet, Ashoel Kli Mechavero, Me'erev Yom Tov, Kiragle Ashoel, Be Yom Tov, Kiragle Amashil, Aisha Sheshala Mechaverta, Tavlin, Omaim, Omenach Le Isata, Are Eilu Kiragle Shteyen, Rabbi Yehuda poter b'maim mipenei she'en bahem mamash. On continue le sujet de la Mishnah précédente, à savoir l'interaction entre les lois de Eruvin et les lois de Yom Tov. Soit, à Yom Tov, on a le droit de partir, de sortir, de marcher, de transporter des choses. La question maintenant, il est que par rapport aux lois de Eruvin, chaque homme, il est limité sur un Troum Shabbat. On a 2000 amas autour de la ville, dès qu'on commence à quitter l'agglomération. 2000 amas de chaque côté, on a la possibilité de décider de partir à l'est, à l'ouest. On peut faire un Eruv Troumin pour ensuite prendre, au lieu d'avoir 2000 et 2000, on prend les 4000 d'un côté, mais on ne pourra plus de l'autre. Du coup, maintenant, l'interaction entre les choses, entre les lois de Eruvin et Yom Tov, à savoir, si toutefois j'emprunte un objet de quelqu'un, que lui pouvait partir à l'est, et moi je peux partir à l'ouest, est-ce que je pourrais utiliser cet objet pour partir avec moi ou pas? Et la Mishnah me dit, Ashuel Kli Mechavero Me'erev Yom Tov, celui qui emprunte un objet de son ami, la veille de Yom Tov, eh bien, Keragle Ashuel, l'objet sera défini comme le Shoel, comme la personne qui emprunte. Soit, mon voisin Reuven, il veut me prêter un objet, d'accord, ça peut être quoi? Allez, prenez un exemple, un ballon pour jouer au football. Et du coup, lui, il avait prévu de partir à l'est. Moi, j'ai prévu de partir à l'ouest, et il me l'a prêté depuis la veille de Yom Tov, eh bien, le ballon, je ne peux pas le prendre avec moi pour partir à l'ouest. Mieux que ça, la Gemara précise que même si concrètement il ne me l'a pas transmis depuis avant Yom Tov, dès qu'il a dit qu'il allait me le prêter, ça y est, c'est devenu le mien. Du coup, imaginez la situation maintenant, où finalement le lendemain, je ne veux plus jouer au ballon, je me suis cassé le doigt de pied, et lui, il veut garder le ballon pour partir à l'est, et bien il ne pourra plus amener le ballon à l'est, parce que puisqu'il avait accepté initialement de me le passer, de me le prêter, et bien l'objet, il était défini comme le mien, et donc lui, il pourra partir à l'ouest et pas à l'est. D'accord, c'est le principe. Maintenant, si c'est Be'yom Tov, si toutefois je l'ai emprunté Be'yom Tov, pendant Yom Tov, je viens le voir le lendemain, mais demandant l'objet, alors là, ce sera Keraglei Hamash'il, comme défini selon les pieds de celui qui prête, du prêteur et pas de l'emprunteur, et dans ce cas-là, l'objet sera limité selon son domaine. Autre principe encore, Aisha Sheshala Mechaverta Tavlin Omaim Omelach Leisata. Une femme qui a emprunté de sa voisine des épices, de l'eau, ou même du sel pour sa pâte. Elle voulait faire une pâte, elle n'avait pas besoin d'eau, besoin de sel ou d'épices. Elle est partie voir la voisine, maintenant elle mélange le tout. Alors là, il y a un sujet très intéressant, qu'en théorie, il devrait y avoir bitoul. Vous savez bien que dans plusieurs halakhot, plein de halakhot, les choses s'annulent. S'il y a un aliment interdit qui se mélange dans un aliment permis, si c'est plus noten ta'am, ça ne donne plus de goût par exemple, ça s'annule, eh bien ça s'annule avec 60, ça s'annule les objets. Un élément s'annule dans plein d'autres éléments. Eh bien là, ça ne fonctionne pas comme ça. Si j'ai emprunté donc de l'eau, du sel, ou encore des épices, et je les mets dans le pain, et je mélange le tout, eh bien le pain maintenant, Arelo Kariglechnem, le pain il sera limité comme les deux en même temps, juste dans le domaine qui est commun aux deux personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait les choses ne s'annulent pas si elles laissent un goût important, et en l'occurrence, si tu as mis du sel, si tu as mis de l'eau, alors ça vient Zeva Zegorem, ça veut dire que les deux ensemble ils fabriquent le pain, et ça. Donc maintenant, l'un ne s'annule pas à l'autre, donc si l'un ne s'annule pas à l'autre, ce qui lui appartenait est limité par son domaine, et ce qui m'appartient est limité par mon domaine. Rabbi Yehuda Poter Bamaim, toutefois, il y a Rabbi Yehuda qui dispense de l'eau, c'est-à-dire que si j'empruntais de l'eau à la voisine pour faire mon pain, eh bien l'eau, elle a, même si concrètement, alors c'est pourquoi, parce que dans l'eau, il n'y a rien de concret. C'est-à-dire, en fait, l'eau, elle a perdu complètement son identité dans le mélange. Elle n'est plus reconnaissable.
C'est complètement perdu. De ce fait, on considère que l'eau a disparu, et puis aujourd'hui j'ai du pain, c'est comme une nouvelle créature, création. C'est plus la continuité du mélange de l'eau. Et c'est pas comme si j'avais emprunté, imaginez que j'emprunte des légumes pour fabriquer. Aujourd'hui, j'empruntais je sais pas moi, des légumes pour les mélanger avec mon riz. C'est un riz niçois. Alors aujourd'hui, tu vois le riz, tu vois les carottes, tu vois ce qu'il y a dedans. Mais quand tu mélanges de l'eau dans une pâte, aujourd'hui, tu vois plus l'eau. L'eau, elle s'est perdue. Le pain, il est devenu dur. Alors de ce fait, Rabbi Yehuda, il considère que l'eau, elle s'est annulée et on pourra rester selon le domaine de celui qui est le propriétaire de la farine. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.